invitons les Canadiens. Les Canadiens, venez s'il vous plaît. Those who came from Canada. Les Canadiens, ils sont venus de Toronto, de Montréal. Those who came from Toronto de and Québec. Montréal. Mes amis, les Canadiens, s'il vous plaît. Je parle comme un Montréalais. Dieu est bon. Jérémie. Gloire à Dieu, soyez encouragés. Oui, alléluia, gloire. On va se voir de toute façon à la fin. Ah, ils n'ont pas eu. Les Canadiens sont aussi venus en force, hein, un grand nombre, que Dieu soit béni. Alléluia. Gloire à Dieu. Ça va? De quelle ville? De Toronto. Toronto. Oui. Wow, 7 heures de vol. Hein? Je fais 13 heures parce que... 13 heures de vol. Oui, je suis passé par Washington, D.C. I flew 13 hours because I flew over to Paris. Washington, wow. Philadelphia, and wow. To Paris. Toronto. Toronto, oui. Gloire à Dieu. Alléluia. De quelle ville? Montréal. Did you come Montréal. From Montréal. Gloire à Dieu. Montréal. Alléluia. Montréal. Montréal. Saint-Hubert. Saint-Hubert, c'est dans quelle ville? What state is that? C'est une périphérie de Montréal. De Montréal, ok. It's outside Montréal. Of Montreal. Saint-Hubert. Saint-Hubert. Wow. Saint-Hubert. Banlieue de Montréal. Gloire à Dieu. It's in the suburbs Calgary. Of Montreal. De? Calgary. Wow, c'est loin. Hein? C'est en Alberta. Wow, combien de vols tu as fait? J'ai fait 9 jusqu'à Frankfurt. 9 heures. Et puis le train jusqu'ici. Wow. 9 hours to wow. Frankfurt, over to Frankfurt Montréal. To Paris. Montréal. Yeah. Wow, que Dieu soit béni. Alléluia, gloire à Dieu. Wow. Wow, wow. Mais ils sont en grande. Est-ce qu'on peut vraiment acclamer le Seigneur pour leur vie, frères et sœurs? Can we give them a mighty round of applause for the Lord? Wow. Tu pensi o che mo lo comu tu tomboli ma poco tu cumbisa. Tune to la combo na yo to pisi yo kembo ilona. Nous élevons nos mains pour t'adorer. Dieu, tu es grand. You're mighty, oh God. Wow. Tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Je suis prêt.
loin de toi. Jésus, tu es Dieu. On te soit loué. Jésus, tu es Dieu. On te soit loué. Tu es le véritable Dieu. On te soit loué. Seigneur, tout à l'heure, vous inquiétez pas. We will worship the Lord. Don't worry. Nous sommes là pour lui. We are here for him. Le fait de recevoir des frères et sœurs qui viennent de loin. The fact of receiving brothers and sisters who came from afar. Non seulement que c'est biblique. Not only is it biblical. Mais c'est aussi pour vous montrer. But it's also to show you. À quel point le message. How much the message. Touche les nations. Touches the nation. Jérémie, tu veux dire? Alors Jérémie. So Jeremy. Est vraiment un frère pour moi. Is like a brother to me. Et un fils dans la foi. And a son in the faith. Il fait partie des personnes qui m'ont beaucoup et qui m'encouragent énormément. He's part of the people who encouraged me and are still encouraging me today. Avant qu'il n'aille s'installer avec son épouse Maneka au Canada, to Montreal, ils ont été un grand soutien pour cette vision. They've been a great support for this vision. C'est lui que le Seigneur a utilisé pour mettre en place le service d'édition que nous avons à NGC Production. He is the one that the Lord used for the broadcasting service that we have. On s'est rencontré la première fois en Martinique. The first time we met was in Martinique. Il sortait d'une église babylonienne. He was coming out of a church that was Babylonized. Et ce jour-là, and this day, un de pasteurs qui ne voulait pas, un de pasteurs de cette église. One of the pastors of this church ne voulait pas laisser Jérémie découvrir la vérité. Didn't want Jeremy to discover the truth. Jérémie a dit lors de ce séminaire, non, je veux recevoir cette parole. And Jeremy said during the seminary, je veux ma délivrance. He said that he wants deliverance. Et Dieu l'a délivré. And the Lord delivered him. Et le Seigneur lui a donné une femme vertueuse. And the Lord gave him a virtuous woman. Elle était musulmane, d'origine musulmane. She was Muslim. Dieu l'a touchée. The Lord touched elle her. S'est convertie. She converted. Dieu l'a délivrée. The Lord delivered her. Et je peux témoigner. And now I can testify. Quand on part au Canada, nous sommes beaucoup encouragés. When we go to Canada, we are mightily encouraged. Et donc je te laisse. Tu vois le travail, Jérémie, ça fait des années qu'on ne sait pas. Amen. Ça fait longtemps. Très très heureux d'être là. Salutations à tous. I'm comme really le disais happy tantôt. To be here. On est très bénis. Ça fait plusieurs really années maintenant. It's been many years now. Voilà, 4 ans que je suis parvenu. That I haven't come. On a commencé, il y avait des salles de 600 personnes. We started with rooms, on a 6000 maintenant et on glorifie le Seigneur au nom de Jésus. Now, au nom de Jésus. We bless the name of the Lord for that. Hallelujah. Alors voilà, au nom de tous les frères du Canada, certains, je découvre des visages ici à Toronto, c'est un grand pays. On behalf of all the brothers and sisters in Montreal and Toronto, on vous salue, on est très encouragés. We greet you, we are
We are encouraged. Chaque semaine, je reçois un appel de quelqu'un d'une ville du Canada qui me dit « On m'a dit que tu es sur place ici à Montréal, on va venir vous visiter. » Every week, I receive calls from people who are living in different cities in Toronto talking about « You, I know, we heard that you are in the city and we want to come visit. » Voilà, donc tous ceux qui sont proches, que ce soit en Amérique, États-Unis, Canada, whether n'hésitez Canada pas à nous contacter. US, do not, kindly contact us. Voilà. Et on va cartonner, mettre le feu en Amérique au nom de Jésus. And we're gonna spread Amen, fire all around Canada in the name of Jesus. Alors un mot rapide. So quickly. Ouais. Donc mon pays c'est la France, mon pays d'adoption c'est le Canada. So my hometown is my home city, my homeland is France, but I live in Montreal in Canada. Et la Martinique est dans mon cœur. Martinique is my heart. It's my home, homeland also. Voilà, maintenant une chose est sûre, c'est que là-bas chez nous tout est plus grand. So one sure thing is that everything is bigger. Les voitures, elevators, cars, la nourriture, food, et nos rêves également sont peut-être aussi plus grands. Un million de Bibles. Our dreams also are even bigger. Un million de Bibles, c'est correct, c'est parfait. 1 million Bibles, it's correct, it's all right. On veut 10 millions au nom de Jésus. 10 millions in the name of 10 Jesus. Millions. Voilà. En tout cas, ça fait grand plaisir. On est là avec beaucoup de joie. On it's bénit chacun. We bless each and every one of us. Et puis on sait qu'on va passer une nuit de feu. And we know that we're going to spend a mighty. Salutations à tous les frères qui sont restés là-bas, les Adonis, les JD, les frères Pierre, tout le monde, on vous salue. We greet all the brothers who regardent à la TV de vie. Voilà, on est avec vous. On est avec vous. Ouais, on est avec vous et comment dirais-je, que le Seigneur vous bénisse, à très bientôt. May the Lord bless you. Jérémy, j'aime bien quand tu parles aussi le créole. Tu peux un petit mot? Mon créole est un peu rouillé, vous m'en voudrez pas. My accent is some type of way. Voilà, on parle plus, mais en tout cas une chose est sûre, c'est bon Dieu bénéo, Kébéuel Pamoli. Et comme nous disent nos cousins haïtiens au pays, Christian qui est là, il est marié avec une Canadienne haïtienne, chez eux ils disent, Nap Kébé pas jambes laguées. Hold on and never give up. Tu voulais dire quelque chose? Je voulais demander que je suis fatigué de boire des médicaments, que j'ai besoin d'aide pour aller des médicaments. J'ai des problèmes de santé. Ça va aller. It's gonna be alright. Amen. It's Amen. Gonna be alright. Amen. Amen. Oh, ça va aller. It's gonna be just ma fine. Femme aussi. Ça va aller. It's gonna be just aller. Fine. Oui, vous allez voir ça. In the name of Jesus. Alléluia. Wow. Magnifique, magnifique. Wonderful. Magnifique. Quelle ville? What city? Montréal. 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 Et toi, ma soeur? C'est mon mari. Ah, ton mari. Enchanté, que Dieu soit béni. Montréal. 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 Wow. Regina. Regina. Wow. Ah, ouais, vas-y. Amen. Ça va. Par la foi, j'ai compris. Soyez encouragés. Be encouraged. Mais de toute façon, on va se revoir. Saint Martin. Saint Martin. Alléluia. Alléluia. Amen. 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 Alléluia. Amen. 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 Alléluia. C'est la fête au ciel. It's party in heaven. Oh! Alléluia. Amen. 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 On y va. Alléluia.
Il y a des frères et sœurs de Saint-Martin. There are brothers and sisters from Saint Martin qui sont connectés. They are connected. Nous vous saluons au nom de Yeshua. We greet you in the name of Jesus. Il y a eu une mission, des frères sont partis là-bas en mission. There was a mission. Il y a eu le feu. It was fire. Comment ça se passe à Saint-Martin? How is it going on in Saint Martin? Ouais, merci. À ce matin, je dois vous dire, ça se passe tant bien que mal. Mm-hmm. Le Seigneur nous a visités tous les jours de notre vie. Saint Martin is going just fine. The Lord has visited us. Alors, si je suis ici aujourd'hui, so if I'm here today, c'est grâce à Dieu. It's thanks to God. Parce que j'étais ici le mois de novembre dernier. Because I was here on November. Et puis mon passeport allait terminer. And my passport was going to expire. Et je me suis dit, je retourne de suite. And I went back to Saint Martin pour pouvoir renouveler mon passeport, to renew my passport in order to come back to Paris to attend this program. J'étais venu juste pour participer aux réunions de réveil. I had just come to attend the revival reunions. Parce que les frères et sœurs là-bas sont convaincus de cette parole. Because the brothers and sisters in Saint Martin are convinced of this word. Vérité. That it's the truth. Et puis en retournant là-bas, and upon coming back to Saint Martin, j'ai allé au service du renouvellement de passeport. I went to the department for the, for the renewal of passports. Je me présente. And I introduced myself. J'ai dit mon passeport va terminer demain. C'était le 6 novembre. I told them my passport was going to expire next day. C'était le 6 décembre, excusez-moi. It was on November the 6th. Bon, j'ai besoin de mon passeport pour partir à partir du 15. So I need a new passport to leave. Ils m'ont dit est-ce que je rêve. Ils m'ont dit est-ce que je fais une vision. And they asked me, "Where was I dreaming?" Parce que c'est au moins au minimum un mois que vous because aurez votre passeport. Because it takes at least 1 month to je have a new passport. Je suis dit, le Seigneur m'a dit de vous débrouiller avec mon passeport. Je leur ai dit que le Seigneur m'a dit de vous débrouiller avec mon passeport. I told them that the Lord told me to tell you to manage everything with my passport. Ils m'ont demandé pas qui le Seigneur a envoyé dit ça. Ils m'ont demandé. They asked me. Par qui? Whom? Le Seigneur. Who did the Lord? Les a envoyé dire ça. Who, to whom did the Lord tell them to say that? Je réponds, c'est pas moi. So I think it's not you. Il y a une des filles. One of the daughter. Qui était au service. Oh, one of the women I was in the service. Elle m'a dit, je vais voir ce que je vais faire pour toi, mais c'est pas sûr. She told me, I'm going to see what I can do for you, but it's not sure. Moi, je réponds que le Seigneur m'a dit c'est sûr. But I believe that the Lord told me it's sure. Voilà. Hallelujah. Réalisez-vous, c'était les deux décembre, j'étais à ce service. So December the 2nd, I went to get et puis la fille m'a dit, bon, je vais mettre un mot pour toi, afin que la personne qui s'occupe de ça puisse faire ça aussi vite que possible. The girl told me, I'm going to take down a note for the passport to come quicker. J'ai déjà pris mon billet à partir du 15 décembre. And I had already taken my flight ticket for the December 15th. À partir du 14 au soir. And on the 14th at night. On m'a appelé. They called me. On m'a dit c'est fait. They told me it's all done. Il doit venir équiper votre passeport. Alléluia. Alors, il y a beaucoup qui veulent venir participer à ce programme. So there are many people who are willing to come and attend this program. Mais ils ne peuvent pas. But they cannot. Parce qu'à cause de l'activité de cette fin d'année, on account of all the activities going on at the end of this year, une activité commerciale pour les patrons, the different, you know, the work. Alors ils veulent pas libérer leurs employés pour pouvoir venir. So they couldn't let the clerks go. Mais au moins, les patrons les a donné aujourd'hui pour pouvoir regarder en direct TV. But at least the bosses gave those people day off. To at least come and attend the program through internet. Je vous assure actuellement qu'ils sont tous devant leurs écrans. And they are all seated in front of their computer. Même quand un moustique les a piqués. Even if a mosquito bit them. Ils font pas cas de ces moustiques. They don't even take care of that. Parce que c'est le et ils vont pas dormir aussi jusqu'à la fin de ce programme. And they won't go to sleep until ils the end of the program. Ils sont amoureux de notre Seigneur Jésus. They are so in love with our Lord Jesus. Ils suivent la parole de près à travers TVDV et partout. They follow the word of God. Partout from the computer. Où va notre frère bien-aimé Shora. And everywhere is our brother ils regardent, is going. Ils regardent et ils sont convaincus de cette and parole. Connected. Et en plus de ça, on a envoyé 3 missionnaires chez nous là-bas ce and matin. And on top of that, we sent 3 missionaries. À savoir notre bien-aimé frère Joël. Our brother Joël. Frère Poupon. Poupon. Et frère Trésor que j'aime Trésor. Tant.
Bah, c'est un homme que Dieu vraiment s'en sert de lui. Puissamment. Ouais, c'est merveilleux. Ils ont prêché la parole à travers la télévision, à travers la radio, et toute l'île a entendu cette vérité. And the whole island heard this truth. Alors ils sont convaincus que c'est la vérité. So we are convinced it's the truth. Mais moi, j'ai été aussi dans une assemblée. But I also went to an assembly. Il y a 6 mois de cela, j'ai quitté cette assemblée. I was leaving this assembly. Je prêchais avant dans cette église. I used to preach in this church. Et lorsque j'ai commencé à recevoir ces messages de la vérité, and when I started receiving those messages alors, of the truth, j'ai commencé à prêcher la vérité. Then I started preaching the truth. Les pasteurs finissent par réaliser. And the pastors realized que mon message n'est pas compatible avec la sienne. That my message was not like they, like those. Il m'a convoqué pour me dire adieu. And they called me to tell me bye bye. Et je lui dis, de toute façon, il faut me donner comment dirais-je, mon bulletin de paie, tout ça, mon papier de chômage, tout ça, pour m'envoyer aller. Right. I told them anyways, you need to give me my paper for lui dit ça parce que la façon qu'il a parlé avec moi comme si je suis un travailleur qui travaille pour lui. Because the way they were talking to me was like he was my boss. Alors, and I was his salary. Certainement, il a fait comprendre que même les assemblées ne sont pas les siennes, ce sont le peuple de Dieu. I just wanted to let him know that the church is not his, but it's for the actuellement, the je suis une bête noire pour beaucoup de pasteurs ce matin. And right now, you know, they don't like me. J'ai participé dans une association pastorale. I participated in a reunion for the pastors. Mais maintenant, je les ai quittés longtemps de cela. Je quitte cette assemblée longtemps de cela. I left this church a long time ago. Je me mets à part pour servir Dieu. I'm setting myself apart to serve the Lord. Je me suis dit, même s'ils m'ont haï, I told myself, even if they hate me, j'ai dit, comme Paul, je ne fais pas I said, de ma like vie, Paul, comme si c'était une chose précieuse. I do not consider life as being a precious thing. Et le ministère que le Seigneur Jésus m'a donné, c'est d'annoncer sa part. The ministry the Lord has given me is to preach his gospel. Tous les frères et sœurs qui sont là-bas actuellement, ils sont sortis partout dans la rue pour prêcher cette bonne nouvelle. All the people who heard this message went out in the streets to preach his truth. Le réveil est là. Et pour aider aussi ceux qui sont dans les besoins, tels que ceux qui sont dans la rue, qui n'ont pas à manger, qui n'ont pas à boire. Streets, those who are needy and poor. Avant de venir dimanche matin, j'ai été avec tous, hein, après avoir les donné à manger, à boire, les donné des vêtements, et puis j'ai les prêché la parole. Friends, I went also with them to give out food, clothes to alors, those people who are needy in the streets. Cet évangile, le retour à la parole, so the gospel, the return to the truth, cet évangile a fait progrès à Saint-Martin actuellement. Is going through Saint Martin. Voilà. Je peux vous dire franchement, Frère Chora aussi, il est un bête noir pour la plupart des pasteurs de ce matin. And I can also tell you, Brother Chora, vraiment, ils ont dit que for most of the pastors in Frère Chora annonce une fausse secte. Ils ont dit que Frère Chora prêche une fausse religion, une fausse secte. They said that Chora was the head of a false religion and false doctrine. Il les a dit carrément, c'est vous qui sont dans les faux. And I told them, you are those who mais are c'est wrong. C'est la vérité. Je suis là, viens auprès de moi. Il y a la parole, il y a la Bible comme ça. Nous allons contrer carré avec la parole de Dieu. C'est I vous qui n'observez pas la parole. I told them to come and we will discuss the word of God. Bon, je suis heureux maintenant. And now I'm happy. Ouais, autrefois, je me sens comme dans une prison. Back then, I felt like I was in a prison. Mais c'est pendant que j'ai reçois la parole convenablement, je sers de cette parole pour moi et pour les autres, je me sens libre. But it's when I heard this message and I used it for myself and I started feeling free. Actuellement, il y a beaucoup de frères et sœurs qui réunissent à la maison aussi. There are a lot of brothers and sisters that are gathering in church houses. Nous glorifions Dieu. We glorify the name nous of the prions. Lord. We pray. Les mercredis et les samedis. Le mercredi et les samedis. On Wednesdays and Saturdays. Au fil à mesure, il y a beaucoup qui viennent à nous. There are many people who are coming to us. Dans l'assemblée où j'étais, il y a beaucoup qui sortent de cette assemblée. In the assembly I used to go, many are leaving this assembly à nous to join with us. Pour progresser dans la parole de to Dieu. To improve in the word of God. Ils vous envoient tous bonjour. And they greet you all. Ils aiment vraiment être là. Mais c'est pas possible. They wanted to be here with us, but it's not possible. Mais par contre, ils suivent là où je vous parle but à travers son écran. They are watching. Ils prennent pas même une minute.
They do not even lose a crumb. Alors continuez à prier pour nous là-bas. So keep praying for St. Martin. Afin que toute l'île so the whole islands puisse évangéliser, que cette parole de vérité recouvre cette maybe île. May be evangelized and this for this word of truth to be proclaimed in throughout the whole islands. Je suis heureux content d'entendre Frère Chora à partir de mois d'mars, il sera en Guadeloupe Martinique à Saint-Martin. And I'm really glad to hear that the brother will be here with us parce in Guadeloupe Saint Martin because parce que beaucoup des frères et des sœurs qui sont là-bas. C'est comme une madichon, il met sous sur toi, il dit, il faut que tu viennes aussi à ce matin. Des frères et sœurs qui sont là-bas brothers and sisters are over there, disent, they say, ils ont envie de voir aussi frère. They also feel like seeing the brother. Frère so, Joël, frère Poupon et frère Trésor restent gravés dans leur mémoire par rapport à les messages qu'ils ont prêchés là-bas. They remember those brothers because of the message they preached when they were over there. L'église commence à perdre beaucoup là-bas leurs finances par vis-à-vis des dîmes. Many people were losing their finances because of the tithes. Maintenant, les frères et sœurs ne paient plus de dîmes encore à l'église. Les frères et sœurs là-bas ne paient pas la dîme encore. And now the brothers and sisters do not lose their tithes anymore in the churches. Ça va mal au niveau des finances. Ça va mal au niveau des finances. Things were bad. Financially speaking, leur business ne marche pas. Businesses are not going fine. Et les frères et sœurs gardent leurs argent actuellement. And now the brothers and sisters are keeping their money. Pour donner à ceux qui sont dans les besoins. To give away to those who are needy. Alors mes bien-aimés, je suis content. C'est comme si je me sens dans un paradis là où je suis. So beloved, it feels like I'm in paradise right now. Ouais, si Dieu m'a permis d'être ici. Si Dieu m'a permis d'être ici aujourd'hui, comme je vous ai dit, les autres ne peuvent pas venir. Je suis accompagné par mes deux fils qui sont là avec moi. The rest of the team couldn't make it to here, so I came with both my sons. J'ai découvert TV de vie, c'est à cause de mon fils qui était malade. I discovered TV de vie was because of my son who was sick. C'est grâce à lui, il y a un frère qui m'a parlé de notre bien-aimé qui m'a amené chez lui. Told me about the brother. Depuis là, Dieu et lui nous a fait grâce. And since then, the Lord has granted us grace. À l'état où il était atteint, the states, dans son âme, dans son esprit, dans son corps, how he felt in his body, his mind, and his soul, personne ne pouvait penser, nobody could ever think, qu'il vive, that he could live. Mais grâce soit rendue à Dieu. But thanks be given to Jesus. Il est là. He's here. Même quand il est pas encore 100% pleine santé. Même quand il est pas encore 100% pleine santé. Even if he's not, he hasn't fully recovered. Bon, je laisse la place à quelqu'un d'autre parce que c'est pas moi seul. Si j'ai commencé à parler, je vais prendre toute la soirée pour parler. I'm going to short. I'm going to make long story short because if I start speaking. Mais par contre, je sais que je tiens à te dire, frère. But however, what I wanna, I really want to tell you. C'est que tous les frères et sœurs là-bas attendent que j'amène leur Bible. Is that the brothers and sisters over there, they're waiting for us to bring the Bibles. Ils pas retourner à ce matin sans leur Bible. And they told us not to not return to Saint Martin without the Bibles. Bon, c'est là que vous laisse, que Dieu vous bénisse. So that's where I'm going to end right que now. Que Dieu vous May garde. God bless you. May God keep you. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Reçois de moi le parfum qui t'est dû, la beauté de ton nom. Les frères et sœurs de Montauban, brothers and sisters from Montauban, de Montpellier, Montpellier, de du sud, les frères et sœurs du sud de la France, venez, all of you reçois du peu que je trouve à donner tout l'amour que mes yeux n'ont pas su te montrer. Jésus, je t'aime. Oh, oh, oh. Rien n'est plus beau que ton nom. Rien n'est plus saint que le sang du pardon. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, mon roi. Marseille.
Dis à ton voisin, c'est la fête au ciel. Tell neighbor, it's a party in heaven. Bonsoir à tous. Good night, good evening everyone. Il faut être franc, beaucoup au milieu de nous, many among us, ont vraiment douté, really doubted. Mais par la grâce de Dieu, but by the grace of God, la BJC est là. The BJC is here. Et cette BJC, and this BJC, elle va aller dans des pays étrangers, we'll go to foreign countries, avec des missionnaires, with missionaries, avec des hommes et femmes, with men and women, et la parole traversera tous les siècles. And the word of God will go through, et elle va atteindre des multitudes d'hommes, de femmes et d'enfants pour la gloire de Jésus de Nazareth. Alléluia. Soyez tous bénis. Be blessed. Gloire à Dieu. On va se revoir. Alléluia. Alléluia. Bonsoir tout le monde. Good evening everyone. Je viens de Tarbes, de Haute-Pyrénées. I come from Tarbes. Voilà, ce soir je suis très émue parce que je ne devais pas être là. I'm very emotional tonight because I wasn't supposed to be here. Chez moi. I wasn't supposed to be here. C'était pas lundi dernier, mais le lundi d'avant, j'étais hospitalisée en urgence par les pompiers. Last Monday I went to an emergency. On me donnait à peine la nuit pour passer. They didn't think I would make the night. Parce que j'avais des douleurs tellement atroces. Because I had so serious pains. Tellement terribles. So unbearable. Que ils me donnaient quelques heures à vivre. So that they just gave me a couple of hours to live. On m'a fait des analyses, mais je savais. They je carried savais out analysis. Que j'allais traverser cette épreuve. But I knew I was going to live through this, this Le Seigneur trial. Me l'avait dit. The Lord had already told me that. Un mois auparavant, il m'avait One dit, month tu vas traverser cette épreuve. Before, the Lord had told me you will go through this trial. Donc, so, ben voilà, j'ai été hospitalisée 4 jours. So I was at a hospital je suis sortie, for 4 days. J'ai rentré chez moi. When I came out, I went back home. Personne n'a rien compris. Nobody understood nothing. Mais moi, ce que je peux vous dire, but what I can tell you, c'est que le Seigneur, il the, vous sort de n'importe quel pétrin. The Lord can, you, que can take soit, you out of any trouble. Que ça soit côté santé, que ça soit côté finance, whether, que ça soit côté société. Financial, Le Seigneur est là, il est avec vous. Il est avec nous tous. Il est vivant. Il est réel. He's alive. He's Et real. C'est pas une imagination. C'est pas un dessin animé. C'est Jésus-Christ ressuscité d'entre les morts. Jesus Christ, risen from il the est ressuscité. Il s'est battu pour nous. He's risen. Pour notre liberté. He fought for us pour notre vie éternelle. For our eternal life. Battons-nous pour lui à présent. Let us fight for him right Et now. Montrons au monde entier And qui est show the Jésus. World. Who Jesus is truly is. Deux messages. Two messages. Deux messages. I got two messages. L'année dernière, au mois de juillet. Last year, on c'est-à-dire 2 mois après ma conversion. July, which was 2 months after my conversion. Le Seigneur m'a dit un truc, j'ai toujours pas compris parce qu'il m'a toujours pas expliqué. The Lord told me something, but I still haven't understood because he still didn't tell me. Ce qu'il m'a dit, What il m'a told dit me, exactement. He told me. 2017. 2017. 2020. 2020. Everything will be over. Ensuite, cette année-ci, donc au mois de juillet, so this year, on July, ce qu'il m'a dit, what he told me, il m'a dit exactement, 2015 sera le dernier avertissement que je donnerai. He told me 2015 will be the last ce warning qui, I will give. Ce qui confirme le message de l'année dernière. Which confirms the message of the last year. Of comme the last quoi, 2017-2020, tout est fini. Which was that 2017 and 2020 would be over. Je ne sais pas ce qu'il a voulu dire. So I don't know what he means by that. En tout cas, il faut se préparer. Well, we need to be ready. Voilà, c'est tout. Autre chose, un dernier message. And the last message. Pour ceux qui en douteraient, il y a des miracles qui s'opèrent tous les jours. For those. À travers le monde. There are miracles going on throughout the world. Deliverances. Il y a des guérisons. Healings. Je peux vous dire de mon vivant I can tell you from what I've been through, que le Seigneur that the Lord, il y a 3 mois de ça 3 months ago, écoutez bien parce que c'est un truc que j'ai jamais vu ça listen carefully because something donc, I've never experienced ce before. Qui est impossible à l'homme est possible what is impossible to man is possible to ouais! God le Seigneur the Lord, m'a sauvé mon petit chat un chat ben ouais saved c'est pas un être humain mais c'est un être vivant pourquoi c'est un être vivant parce que c'est Dieu qui l'a créé aussi
Elle se doit de sauver même les êtres vivants comme ça, les animaux. So the Lord is able also to save animals. Donc grâce à lui, mon chat est en vie, est en parfaite santé. So thanks to him, my cat is safe and sound. Vive Jésus-Christ! Vive le Seigneur! Long live the King! Gloire à son saint nom! Hail the King! Qu'il soit élevé dans les cieux les plus hauts! May be lifted up high! Alléluia! In the name of Jesus! Alléluia! Alléluia! Ah, le feu! Le feu! Il faut mettre le feu! Merci! Thank you very much. Le feu est là. Amen. Dis à ton voisin, le feu est là. Tell your neighbor, the fire is here. Le Seigneur vient. The Lord comes. Wow. Écoutez. Listen. On avait prévu de distribuer les Bibles après. We had planned to give out the Bible later on. Mais nous devons nous laisser guider par le Seigneur. But we need to let us be driven by the Holy Spirit. Regardez tout ce monde que Dieu attire. Look at all those people that the Lord is attracting. Qui est choqué ce soir? Who is shocked? Wow. Je vois la soif. It's amazing to see the thirst. Qu'est-ce que tu as vu là? C'est trop fort ce que je vois en fait. Tu vois quoi? À la gloire du Seigneur. Oh. Il y a des armées d'anges. There are armies of angels qui sont dans tout Paris, dans toute Paris, l'île de France. Île-de-France. Là, là. Right now as I'm speaking, je viens de voir une chaîne. I just saw a chain. Avec un grand cadenas. With a huge padlock. Et c'est avec cette chaîne-là que le Seigneur avait lié la France. The Lord had bound friends, et j'ai vu un ange puissant and I saw a mighty avec angel une épée with a sword, briser la chaîne. Ceux qui viennent de la Tunisie. All those of you came from Tunisia. Venez, on acclame le Seigneur pour la Tunisie. Wow! Jesus! Woo! Jesus! Alléluia! Magnifique, magnifique, magnifique. Magnifique, magnifique. Magnifique. Tu es arrivé quand? When did you arrive? Une semaine. En famille. Vous allez repartir là-bas? Wow! Vous voulez qu'il y ait un réveil là-bas? Do you want a revival to take place? Ah, yeah, yeah, yeah. Hein? Il le faut. Alléluia. Prions pour la Tunisie, frères et sœurs. Let's pray for Tunisia, brothers and sisters. Jesus. Oh, alléluia. Il y a quelque chose ici. Oh, alléluia. Oh, Jesus. Oh, oh. Oh, il y a le feu. 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 Alléluia. 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 Ça va prendre. Ça va prendre. Ça va prendre. It will catch. Alléluia. Ça va prendre. It will catch. Je les ai vus enceintes dans l'esprit, pregnant in the spirit. Les douleurs de l'enfantement pour ce pays, the labor pains for this country, pour cette nation, for this nation. Au nom de Yeshua, in the name of Jesus. C'est réglé au nom de Yeshua. It's over. Gloire à Dieu. Wow. Ça va aller. Gloire à Dieu. It'll be all right by the name of Jesus. Oui. Wow. On arrive les Belges. On arrive. On arrive. We're coming, Belgians. Ça va. Alléluia. Wow. Les Londoniens. Magnifique, magnifique. Gloire à Dieu, Dieu est bon. On peut, Manchester, on peut même se faire la bise, hein, pas de...
Les Tunisiens n'ont pas prié. Ah oui, c'est vrai. Ah ben c'est vrai. Mais les soeurs de la Tunisie, venez prendre vos Bibles. Voilà, je vois, c'est bien que tu me le rappelles. Vous pensez que le feu peut arriver à Londres là-bas là? Do you believe that revival can take place in UK? Mon frère Bolé est où? Yeah, brother Bolé, come up front, please. Il m'a beaucoup encouragé à Londres là-bas à chaque fois. Il m'encourage. He's always encourages in London. Waouh, ça fait plaisir, mon frère. Tout va bien? Alléluia. Est-ce qu'on leur donne leur Bible aussi aux Londoniens? We also give them their Bibles. Qui est d'accord? La Tunisie d'abord. La Tunisie first. Elles ont eu? On leur donne, on leur donne. Right, on leur let us give them their Bibles. Birmingham, London, London. God bless you. You speak French? Yeah. Okay, vous parlez français. Secouer les choses. Il faut qu'on aille là-bas pour secouer les choses. On a besoin de toi. On va y arriver. Qui veut aller à Londres avec nous? L'hiver. Il y en a marre. Enough is enough. Tu peux venir mettre le feu à Londres avec Jesus. Come and Jesus is on. London on fire. Hallelujah. Toi aussi. Wow. Alléluia. Gloire à Dieu. Eh ben, donnez-leur. Give them their Bibles. Manchester, tout ça, l'Angleterre, la Grande-Bretagne. Hein? Il est là. Wow! Tout le monde est là. Comment vas-tu? Amen. Gloire à Dieu. Court message pour nos frères et sœurs de Londres qui nous regardent. Just a short message for the brothers and sisters from London who are watching. Nous croyons du plus profond de nos cœurs. We deeply believe que le feu, that fire, c'est bientôt pour Londres. It will soon catch. Mais parce que les frères et sœurs sont là-bas. Because the brothers and sisters back in London en train de bouillir, are boiling. Et il y a une demande pas possible. And there's such a demand. Et je crois que le Seigneur nous a mis à cœur. And I believe that the Lord has put in our heart. Depuis un moment. Since a moment. Et ce depuis 2010. Since 2010. Mais je crois que cette année, ça a été encore confirmé. And I believe this year has been et nous confirmed. D'abord l'annoncer, mais accompagné de prières. I would like to announce it, but also accompanied by prayers. Ce qui se passe ici aujourd'hui. What is going on here? Nous le souhaiterons. We wish it. En Angleterre. In England. Décembre 2015. December 2015. Nous voulons inviter toutes les nations we want to invite en Angleterre in England, décembre 2015. December 2015. Alléluia. Vous qui me suivez à l'écran, all of you are watching, la prière commence maintenant. Nous avons un right an, now, we have un one an year, d'organisation. One year of organization. Parce que comme le frère l'a dit, said, il y en a marre. Enough is enough. Et la marche chrétienne arrive. And the nous irons renverser les hôtels de la reine. Ah oui, le roi. Ah oui, les rues de Londres. The streets of le London. Feu va parcourir les fire rues de Londres. Les enfants se réveilleront. Le message ira dans the le palais de la reine à Buckingham Palace. Buckingham au Palace. Nom de Jésus. In the name of Jesus. Alléluia. Alléluia. Le feu pour l'Angleterre. Fire for you, que Dieu vous bénisse. May God bless you. Alléluia. Soutenez-nous dans la prière. Sustain us au nom de Jésus. In the name of Jesus. Gloire à Jésus. Thank you, Jesus. Voilà que tu peux parler, j'ai eu la confirmation. As you speaking, on sera à Londres en décembre prochain. London, next December. Tous invités, le feu va prendre. Hallelujah!
La Guadeloupe, la Martinique, la Guyane. Guadeloupe, Martinique, Guyana. L'île de la Réunion, les Réunionnais. Reunion Islands. Les Réunionnais. Reunion Islands. Où sont-ils? Where are you? Ceux qui sont venus de la Réunion pour le programme. Are those of you who came from Reunion? Venez. For the program, come up front, please. Vous êtes tous invités à Londres en 2015. You are all invited in London in December. Alléluia! 2015. La patience est un des fruits de l'Esprit. Patience is one of the fruit of the Spirit. Les Camerounais qui sont venus de la, du Cameroun. Cameroonian. Alléluia! Les passants, les babylèques, les fans, les malins. Mobali Nanga, Kambonaye, Yesu, 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 oh. Mon chéri d'amour, quel est son nom? Jésus, 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 Jésus. Chante avec moi. Mon chéri d'amour, quel est son nom? Jésus, 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 Jésus. Of dead people, des aveugles puissent voir, des sourds qui entendent, deaf
message qui se répand dans tout le Cameroun. The message that is spreading throughout Cameroon. Et en fait, tu vois tout ce que tu fais là. Qu'est-ce que tu as passé? I am overwhelmed. Tu es dépassé. I'm overwhelmed. There's no word for that. Glory to Jesus. Wow. Mon frère Simon, tu te rends compte de ce qui se passe là? Cet enfant, quel âge là? Trois jours aujourd'hui. The baby is 3 days. Donnez-moi une Bible. C'est une exception, c'est pour ce bébé. It's an exception for the baby. Comment il s'appelle? Yeshua. Wow. Ah, ben, 3 jours. The baby is 3 days. Ressuscité. C'est une exception. It's an exception right here. Les Belges. Belgian. Nos voisins. Our neighbor. Combien de bus? 4 bus. À Bruxelles, 4 bus. De combien de places? De 50 places. 5 bus. À la? Pour Bruxelles, 5. Pour Liège, 1 bus. Liège, 1 bus. Bruxelles, 4.
Ça fait 5 bus pour les Belges de 50 places. Sans compter les véhicules. Liège, Bruxelles, Brussels, Charleroi, Charleroi, Mons, Mons, Anvers, hein? À Lost, Lost, toute la Belgique, all Belgium. On leur donne des Bibles ou pas? Do we give them Bibles? Qui est d'accord? Who agrees? Bon, ça le fait, ça va le faire, hein? Ça va le faire. Ben oui. Bon, je vais monter là-haut pour voir moi-même clairement. So I myself gonna go back there to see clearly. Frères et sœurs. Brothers and sisters. Ma joie est grande. My joy is great. J'ai l'impression que je viens de naître. I feel like I was just born. Merci. Wow. Wow. Tout ça, la Belgique, tout ça. All that, Belgium. Regarde, regarde, tout ça. Jésus. Vous prenez vos Bibles, dès que vous avez la Bible, vous partez. And once you have your Bibles, you may go back to your seats. Mon frère, sois encouragé pour tes encouragements. Alléluia. Oui. Viens, viens, monte, monte, monte par ici. Il y a des Belges dans l'autre salle. Ne vous inquiétez pas. There are Belgians in the other room. Don't worry. Nous viendrons même prier pour vous là-bas. Y a pas de problème. Vous inquiétez pas. We'll come and pray for you also. Don't worry. Wow. Tout est chamboulé. Everything is turned upside down. D'accord. Amen. Gloire à Dieu. Tu veux? Après, ouais, pas de souci. Ouais. Okay. Donc, que Dieu vous garde. May God keep you. Les Allemands. The German. Danke. Danke. Come, come. Non, danke, c'est merci. Ah, ben, tu vois. Danke schön. Ah, ben, gloire à Dieu. Danke schön. On acclame le Seigneur pour les Allemands, frères et sœurs. We give a round of applause to the Lord for the German. Allô. Oh, magnifique. École, ça va? Viens un peu là, viens, viens dire quelque chose en allemand. Wow. Que Dieu soit béni. May God be blessed. Une petite parole en allemand. Pour nos amis allemands. Just one word for the French. Nicole a traduit, a traduit. The sister translated. Un livre ou deux. One or two books. Two books. Deux de mes livres en allemand. Two of my books in German. Entre les mains du potier. Entre les mains du potier. Et and la captivité de l'évangile. La captivité de l'évangile. Qu'est-ce que tu veux dire aux Allemands qui sont? What can you say to German? Qui nous suivent? And they are following also. Hallelujah. Shh. Gott ist gut. Gott tut uns gut. Er ist immer da für uns. Er führt uns seine Wege. Wir wissen manchmal nicht, wo es hingeht. Es ist gut, dass wir manchmal nicht wissen, wo es hingeht. Aber Gott ist in Kontrolle. Gott kennt jeden Schritt seiner Kinder. Und alle, die ihn lieben, werden ans Ziel kommen. Und alle, die die Wahrheit lieben, lässt er nicht verloren gehen. Amen. Amen. Nous sommes le 14 secondes.
Le 14 mars, nous sommes à Bonn. March 14th, we will be in Germany. Et Bonn, c'est à côté de Cologne, non? Ah? C'est la même chose. Ok, déjà, vous avez déjà une mission là-bas. Bénissons le Seigneur. Donc le 14 mars, on March 14th, nous sommes à Bonn. We'll go to Bonn. Amen. Alléluia. Soyez tous encouragés. Be encouraged. Gloire à Dieu. Thank you, Jesus. On viendra. Alléluia. Je veux dire un mot en français. I'm going to say s'il something vous plaît, in French. Écoutez. Please listen up. S'il vous plaît. Dans l'histoire, in history, il y avait plusieurs contrats entre la France et l'Allemagne. There were many contracts between Germany and France. Même notre chancelière Angela Merkel, even our chancellor Angela Merkel, elle a toujours été amie avec les Français. She's elle always a toujours been friends with French people. Elle a toujours essayé de faire des contrats avec les Français. She has always tried to do agreements with French people. Et dans cette liaison, c'est comme si toujours, l'Allemagne paraissait fort avec beaucoup de trésors, avec l'argent, and avec. And in this relation, it's like Germany was stronger with money. Avec une belle extérieure. With an outward beauty. Mais en tant que représentante. Allemagne, as a representative of Germany, j'aimerais faire un nouveau contrat avec vous. I would like to make a new agreement with you. Les chrétiens de la France, Christians of France, les chrétiens de Belgique, Christians of Belgium, et c'est un cri de secours. And it's a rescue, a cry of rescue. Nous avons besoin de vous. We need you guys. Sinon, on va tomber. Otherwise, we're just going to fall down. Un cri de secours. It's a cry of français. Rescue. To the French vous people, plaît, please aidez-nous. Help us. Aidez les Allemands. Help the Germans. Priez pour vous, tous ceux qui ont un cœur pour Dieu. All those of you who have a heart for God, aidez-nous, please help us. Pour l'Allemagne. For Germany. Priez pour nous. Pray pensez for us. À nous. Think about us in s'il your prayers, plaît, please. C'est un cri de secours. It is a cry of rescue. Amen. Hallelujah. Amen. Jésus soit loué. May Jesus be praised. C'est entendu. Gloire à Dieu. Alléluia. Soyez fortifiés.